L'idée du travail avec elle, c'est d'optimiser mon geste à l'effort, donc en course à pied, en équitation, peu importe le domaine, mais c'est être le plus efficient possible dans mes gestes en compétition et utiliser le moins de muscles inutiles dans mon geste. Donc c'était un gros travail de fond au début, c'était surtout sentir son corps en fait. Du haut niveau, mais il y a plein de gestes que je faisais au lieu d'utiliser un ou deux muscles, j'utilisais toute l'épaule, j'utilisais donc c'est faire connaissance. Ça a été ça le début du travail avec elle, c'est faire connaissance avec mon corps, travailler plus justement avec. Maintenant que j'ai vraiment avancé dans ce travail-là, je sens vraiment le retour sur mes sensations en compétition. Là, je prends l'exemple de kickation. Comme je sens mieux mon corps, je suis plus fin, et bah, je vais être plus juste dans mon approche avec le cheval, dans son contact avec la bouche de mes mains. Donc là, c'est l'exemple en équitation et en course à pied, ça va être plus de relâchement. Et en fait, bah, pouvoir utiliser toute ma force encore mieux pour être meilleur. Et ça, c'est vraiment une nouvelle approche, et je sais qu'on est très peu à le faire, à travailler en France, mais même dans le monde encore moins. Et c'est un vrai plus, et je sais que maintenant ça fait partie intégrante de ma préparation. Et je commence pas mes journées sans cette séance-là, parce qu'elle va même me permettre, les jours où je suis un peu fatigué, où j'ai le corps un peu noué, de pouvoir me détendre et pouvoir faire une séance la plus efficace possible.